Putain, caméra log déjà, ça j'irai d'aller se faire foutre, monsieur. On va pas se casser le cul. Game, restore défaut. Interface, restore défaut. Vidéo. Medium low. Sound. Tac, ok. C'est bon. Alors auto-attaque, use moment prédiction, attack move and cursor. Non, bah non, 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 non. Trick target champion as toggle, oui. Interface, putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de réglage. Quoi, non, XP, pas mana. Non, mana c'est chiant. Tac, tac. Show timestamp, tac, tac. Meneur name, je m'en branle. Ability, minute plus seconde. Apprenez, apprenez, apprenez comment on fait ces réglages. Show spell cost, oui, c'est important ça. Disable HUD spell click. Ah non, c'est genre, tu peux pas cliquer ici. Enable la legacy curseur, oui. Cream flash and nozzle control, Amela, ouais, pilot, c'est pas obligé, mais bon. Champion name, ouais, vas-y, c'est bien. Health bar, tac, tac, tac. HUD, on va le baisser un peu. Oh putain, il est énorme là. Minimap, on va la monter un peu. Comme ça, c'est bien. Je vais me mettre à gauche la caméra. Ok. Et maintenant, hotkey, c'est un peu chiant. Tac, tac, tac. Ability. Moi, je joue en smart cast plus normal cast. En clair, je peux mettre smart cast et normal cast. Non, l'inverse. Normal cast et smart cast. Replace quick quoi? Sûrement pas. Voilà que non. Ah, bah, c'est jamais réglage là? Pourquoi, genre, quand j'appuie sur espace, ça lock? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dans votre key. Centrer caméra, moi je veux centrer la caméra, je vais pas lock la caméra. Où est-ce que ça va être? Caméra control. Center caméra. Ouais, là c'est toggle caméra lock. Non, moi je veux center caméra. Du coup là c'est bloqué. Ok. Player movement, shift MB. Ah ben non, il y a les deux fois là. Ok, j'ai besoin que pour clic droit en fait, mon clic droit ce soit clic droit et shift plus clic droit. Vu que j'appuie énormément sur shift, genre je passe la moitié du jeu à appuyer sur shift, j'ai pas envie de lâcher shift à chaque fois que j'utilise un spell. Et là, attends, il me faut les touches F1, caméra control. Select Ali 1, F2, F3, F4. Normalement c'est F1, F2, F3, F4, F5. Mais moi genre centrer la caméra sur moi, je l'ai déjà sur espace. Du coup là le F1 je le décale. Au lieu de faire F1 c'est moi, F2 premier allié, F4 F5 le dernier allié. Je fais genre espace c'est moi et F1 le premier allié, F4 le dernier allié. Parce que c'est plus logique, les touches F sont par groupe de 4. J'ai envie d'aller chercher le groupe le F5 qui est plus loin. C'est bon là, on a tout. Non, il faut Target Champion Only. C'est où Target Champion Only? C'est dans quoi Target Champion Only? Ah si, Target Champion Only, moi je mets ça sur Q. Regarde, à chaque fois que c'est l'un des trucs les plus importants du jeu. Tu vois mon curseur là? Quand il est entouré de blanc, ça veut dire que je peux pas cibler les trucs adverses. Genre là, tu vois, si je clique droit ici, ça va auto-attaque. Là, je passe le en Target Champion Only. Et là, je peux plus cibler les CS. Ça fait que je peux bouger où je veux. L'idée. Et c'est vraiment super important de savoir jouer avec ça. Parce que par exemple quand tu dive, ce qui fait que beaucoup de personnes auto-attaquent les tours pendant que je dive, genre notamment la top lane. Tu vois, quand tu dive ici et que la personne derrière se met là, si t'as pas le target champion only, regarde là il y est pas, tu peux pas cibler. Genre je vais cliquer droit, je vais cliquer gauche, ça va cibler la tour. Tandis que si je mets le target champion only, là je peux plus cibler la tour. Du coup je peux cibler uniquement les champions. Et quand il est derrière, ça fait toute la différence. Pour faire simple, tous les joueurs, absolument tous les joueurs, tous les joueurs, tous les joueurs du jeu, tous les joueurs OLO jouent avec ça. Absolument tout le monde joue avec ça parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire, par exemple les dives, bah tu peux pas cibler ici. En plus tu vois, il y a ça. En clair, il faut faire attention aux pixels parce que si tu décales un peu trop et tu veux cibler quelqu'un qui est derrière, je prends une dent de ça, bah je vais mettre à auto-attaque la tour au lieu d'auto-attaque la personne que je vais dive. Et du coup bah target champion only et tu peux plus cibler la tour.
Genre je peux cliquer partout et ça s'y rappelle à tour. Genre je peux te montrer des exemples, là c'est bon, on a tout gardé. Enfin tu t'en rends pas compte en fait, mais tout le monde joue avec ça. Ah mais après il est joueur des frérots. Bah là regarde, là justement il est passé en Target Champion League parce que tu vas dive et tu veux toucher la bonne personne. Tu veux pas être encombré par la tour. Et tu veux prendre l'exemple de tous les pros et là tu vois il passe en Target Champion League. Et genre enfin tu t'en rends pas compte, mais absolument tout le monde, tous les pros du jeu jouent avec ça, tous les personnes au Hello du jeu jouent avec ça. Jouent avec le Target Champion League. C'est obligatoire de jouer avec ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a qu'à partir d'un certain elo que tu sais ça, alors que c'est vraiment mandatory. Wax le fait pas. T'es obligé qu'il le fasse. La manière dont c'est représenté le Target Champion League sur le 5 curseur, c'est qu'il passe en rouge. Genre tu vois le centre là, il va passer en rouge. L'ancien curseur, il est entouré de blanc. Genre il y a un contour blanc. Mais ce curseur, tu vois le truc ici, ça passe rouge. Y a pas un moment où il s'approche de la tour là. Voilà, voilà. Tu vois, regarde. Là. Ça, c'est Target Champion Only. Là, tu vois, son curseur est en normal. Il n'y a pas de rouge à l'intérieur, ça veut dire qu'il est en normal. Et quand il va y avoir du rouge dedans, c'est qu'il est en Target Champion Only. Là, tu vois, il est en curseur normal, ça veut dire qu'il peut mettre le clic droit sur la tour. Et il peut pas cibler quelqu'un qui est ici. Regarde, là, il est encore en normal. Là, il passe en Target Champion Only. Parce que t'es obligé, ici, tu vois, si la personne se met là et que t'as pas le Target Champion Only, elle est pas ciblable. Tout le monde dans le jeu joue en Target Champion League. Après, genre sur ce type de curseur, tu peux ne pas le remarquer. Parce que tu vois, au lieu des contours, t'as juste ça. Elle meurt, mais c'est et là, il repasse en normal. J'ai tout vu où c'était parti. Bref. Joue en Target Champion League.